La Confédération nationale des employés du Bénin, CONEM, multiplie ses offensives diplomatiques. Après le Japon, la Chine est favorable à la coopération souhaitée par la CONEB. Une forte délégation de 17 investisseurs chinois est en mission exploratoire au Bénin. Ça nous fait la troisième délégation depuis la création de la CONEB en décembre 2015. Nous avons donc accueilli pour la troisième fois des partenaires étrangers dont l'apport technique et financier couvrirait en très bonne partie, au-delà de ce que les privés devraient pouvoir prendre comme part dans le PAG, dans un budget, disons, de 10 000 dollars, ces investisseurs privés étrangers sont à mesure d'apporter les 50%. En dynamisant sa politique de recherche de partenariats fructueux, la Confédération nationale des employés du Bénin entend accompagner le gouvernement de Patrice Talon dans la réussite de son programme d'action. Que ce soit autour des Chinois, qui sont venus en grande majorité par le fait de la CONEB au Bénin, s'enquérir des opportunités du PAG, s'assurer sur le plan juridique de la sécurité de leur investissement et ensuite voir et savoir si nous autres privés, béninois, nationaux, nous avons le niveau requis pour assurer le relais de leur investissement. Cette coopération engendra à coup sûr plusieurs retombées en matière de création d'emplois, de la valeur ajoutée, de la richesse dans toutes ses dimensions et de la contribution aux charges de l'État à travers des importations.